Bon, alors, Natty Fortress. Donc, zéro vie, c'est génial. Je suis un peu en stress. Bon, après, je sais pas, je crois que le jeu nous fait recommencer. Il nous fait recommencer avec 2-3 vies, je crois. Ouais, donc je parlais de Stuntman. Ouais, quand vous avez fini ce jeu qui est vachement dur, super dur, c'était lequel d'ailleurs? Stuntman Ignition, je crois que ça s'appelait. Ok, c'est génial, je fais déjà le con. Voilà. Mais X rouge, si tu perds, tu sauras pourquoi. C'est génial. J'ai l'impression qu'il n'y a que dans ce fameux petit let's play en fait. Que je fais de la merde. Hein. On va pas se leurrer, hein. Je fais de la grosse bouse. Checkpoint, c'est génial, mais le checkpoint, s'il ne te sert à rien, enfin, il te faut de la vie pour continuer ton checkpoint. Et ce serait plutôt sympa d'avoir une petite tête ou alors 100 pommes. Je vous le rappelle, toutes les 100 pommes, Crash gagne une tête. C'est génial. Voilà, pas de fail, je te prie, pas maintenant. Ok, c'est super. Mon Dieu, mais au mieux un rire quand même. Hein. Franchement, s'il y a vraiment une justice dans ce monde, j'aimerais au moins survivre jusqu'à avoir une tête quoi. Poc, poc, t'époc. Voilà. Bim. Bouffe toi ça. Plein de carnivores. Voilà. Un ragoût là. En soupe d'ortie la plante. Le monkey. Bim dans la tête. Les flammes, bim, trampoline. Et une. Ok, une tête. Alors attends. Hop, hop. Faut que je la récupère. C'est génial. J'ai une vie. Est-ce que cela voudrait dire que tous les tableaux on en gagne une? Là, le checkpoint me semble utile cette fois-ci. Ouais, ça sent des pics qui arrivent. Génial. Hop là, ne crève pas. Ce serait sympa de ne pas se croûter maintenant. Oh la salope! Je vais te ken! Alors là, ma pauvre, tu vas bouffer cher. Bim et bam! Voilà! Je préfère. Voler doucement. Non mais c'était vraiment compliqué comme jeu. Oh non, non, s'il te plaît, non, 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 fais pas péter mes trucs. Oh là là, mais quel professionnalisme, on sauve même la tête, si ça c'est pas beau. Voilà, on va faire comme si j'étais pas mort en fait. Ce sera mieux. Oh mon Dieu! Oh putain! Putain, le mec il s'accroche à la vie quoi. J'ai l'impression de découvrir des glitch bugs quoi, ou est-ce que... Je joue trop avec la vie. Le mec il me pousse sur le rebord, crash, il arrive encore à rebondir, si ça c'est pas beau quoi. Putain! C'est génial. Hop là. Voilà, c'est bon. Là, la TNT, elle va me péter juste la case en dessous, je suppose. Voilà. Et en fait, j'ai bien fait de péter la première tête la première fois. Et comme ça, je l'ai perdu. C'est génial. Bim! Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc, en fait, je viens de réaliser comment il fallait faire pour le... voilà, faut qu'il soit stoppé. Et en même temps, j'ai frôlé la mort et c'est tant mieux. Mais en fait, non, c'est pas tant mieux, mais. Alors là, j'ai intérêt vraiment à ne pas me chier parce que je suppose que les rondins de base là, ils sont finis déjà. Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver! Oh putain, cruel dilemme, je tente le AQAQ et je vais essayer de retomber sur la même truc. Hop! Ouais, non, c'était le prix à payer, forcément. C'était le prix à payer. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai l'impression qu'au début là, je faisais vidéo format 1-2 minutes hein, parce que les tableaux sont assez courts. Plus je vais avancer dans Crash, plus je risque de me chier hein, et plus les vidéos risquent d'être longues. Donc attendez-vous vraiment vers la fin de... Attendez-vous vers la fin de Crash à avoir à limite des vidéos d'un quart d'heure. Hein, parce que je me rappelle que les derniers niveaux, genre l'avant-dernier boss qui s'appelle... Oh putain, mais c'est pas vrai qui s'appelle Brio, si je me rappelle bien. C'est le petit scientifique un petit peu version Frankenstein qui accompagne Cortex. Que l'on retrouve d'ailleurs dans Crash Bash. Mais pas dans Crash Bandicoot 2 et 3 car il s'agit ensuite de Engine qui accompagne Neo Cortex.
C'est le nain avec la fusée empalée dans sa tronche. Alors là, je crois que c'est... Oui, c'est génial, vous allez voir. Je finis vite ce que je dis. Ouais, Brio, c'était un des boss les plus puissants du jeu. Voilà, si ça c'est pas beau, c'est la petite technique. Je me rappelle uniquement de ce niveau. Je sais pas après s'il y a d'autres. Oui, je suppose qu'il va y avoir autre chose. Voilà, là il faut que je ressorte ici. Voilà, ça me permet d'éviter pas mal de merde en fait. Donc c'est cool. Hop là, voilà, c'est génial, Oh non! Ok, c'est mon AQ qui est mort, c'est génial. Tant mieux, hop. Oh non! Non, ok, des flammes. Alors calcul. Ouais, non, pour la prochaine. C'est bon, c'est ton tour, Crash, vas-y! Non, c'est plus ton tour, Crash, n'y va pas. Hop. Oh là là, j'ai tellement peur que les tourbillons ne durent pas assez en fait. Tout simplement. Ça y est, je suis bientôt près de la fin. Là. This is the end. Ah. Eh ben dis donc, cette épreuve aura été rude. Je crois qu'il y a 3 trucs de flamme à faire maintenant. Oh. Je m'en souviens, hein, franchement. Ah, ces vieux souvenirs de gamin, quoi. J'arrive à me rappeler encore de quelques niveaux qui ont dû être sûrement terrifiants pour moi, en fait, si je m'en souviens encore à ce jour. Alors là, je crois que j'ai... Ouais, effectivement, j'ai bien vu un truc qui me plaît. Mais allez! Vite, dépêche-toi. Voilà, hop. Oh là, si ça, c'est pas beau quand même. Gagner 4 vies d'un coup, c'est un petit peu cadeau quand même. Merci, Naughty Dog. Les caisses, bah, limite, vous allez vous faire foutre. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je saute bien haut, je récupère la tête. Et je finis le chapitre. Enfin, on y est arrivé! Génial!